Je reviens à Uxküll, à partir de Watsuji, parce que il y a vraiment une homologie entre la mésologie de Watsuji et celle d'Uxküll. Parce que les deux idées fondamentales, d'abord que l'être en question est un sujet et non pas un objet, alors c'est subjectivité. Et en allemand, subjektivität, bon. Pour un français, on dit subjectivité, t'as qu'à dire subjectivité. C'est pas du tout la même chose. Parce que subjectivité, c'est le fait d'être souverain de soi-même et en somme de créer son monde à partir du donné environnemental. Tandis que subjectivité, ça n'est qu'avoir des vues subjectives sur une réalité qui est en fait objective. Là, non. Vous créez un monde et donc vous créez votre milieu qui est trajectif. Hein? Ça sort complètement du dualisme. Hein? C'est ça l'essentiel. Or, celui qui, évidemment il y a une longue histoire, mais qui l'a vraiment pensé et appliqué dans une recherche de science moderne, c'est Uxküll, qui a donc installé ce paradigme de poser l'être en question comme un sujet, et donc que l'environnement n'est pas le donné objectif environnemental qu'étudie l'écologie, mais qui est quelque chose qui se crée dans cette relation et que Uxküll appelle Umwelt, monde ambiant. Alors il y a un problème en allemand, c'est que vous savez que l'écologie, c'est un mot qui a été à l'origine ökologie. Qui c'est qui a inventé le mot ökologie ? Bon, j'ai de ces trous comme ça, mais bref, l'idée, l'important ici, c'est que le mot écologie a été Haeckel a créé Haeckel en 1866, et qu'aujourd'hui, en allemand, vous avez les deux termes qui sont en fait à peu près synonymes, hein, Umweltlehre, écologie. Mais chez Uxküll, il y a vraiment une... très clairement, et pour les raisons que je viens de dire, des raisons structurelles, ontologiques, entre environnement, qui est Umgebung, le donné environnemental brut, et Umwelt, qui est ce construit, mais pas seulement construit au sens du constructivisme, parce qu'il y a nécessairement le Umgebung, c'est féminin, la Umgebung, à la base, forcément, il y a la Terre. Alors, c'est une perspective nouvelle, novatrice, qui a influencé des philosophes, hein, comme Deleuze, et qui a influencé profondément Heidegger, à l'époque même où Watsuji découvrait Heidegger, et a séjourné en Allemagne. Donc, d'où l'hypothèse que, en fait, Watsuji est eu vent des travaux d'Uxküll. Mais ça, il faudrait que des spécialistes de l'histoire de la pensée le précise. Moi, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est simplement l'homologie qui est entre les deux. Donc, Uxküll introduit cette perspective qui fait de lui l'un des fondateurs de l'éthologie et le précurseur d'un bon demi-siècle de la sémiotique, de la biosémiotique. Savoir comment les espèces vivantes communiquent, transmettent du sens. Et dans les années 90, la biosémiotique a pris son essor, alors que dans les travaux d'Uxküll, c'est au début du siècle. Et on en est arrivé à penser que, à comprendre que la transmission de sens par des signes est coextensive à la vie. C'est-à-dire que ça concerne tout le vivant. Tout le vivant. Voilà, c'est ça l'apport énorme d'Uxküll.
Maintenant, j'en viens, alors, à travers Uxküll, à travers Watsuji, c'est Uxküll qui est un des autres piliers de ma manière de considérer la mésologie. Ils sont les deux fondateurs de la mésologie, parce que Watsuji l'a fait au plan humain et philosophique avec des concepts aussi. C'est les deux fondateurs de la mésologie au sens où je la comprends et qui n'est pas celui où le terme a été créé bien avant l'écologie. Le mot a été créé par Charles Robin, qui était un médecin disciple d'Auguste Comte, disciple direct d'Auguste Comte, donc très positiviste, et à la séance de fondation inaugurale de la Société de biologie, le 7 juin 1848 à Paris, il propose une nouvelle science, une nouvelle discipline, qu'il propose d'appeler mésologie, c'est-à-dire l'étude des rapports entre l'organisme et le milieu. Le milieu étant conçu dans le sens où nous utilisons aujourd'hui le terme d'environnement, et non pas dans le sens que, à partir de Uxküll et Watsuji, je donne aujourd'hui à ce terme. Voilà. Donc, la mésologie, dans ce sens-là, elle a eu vent en poupe au XIXe siècle. Elle avait un champ très large qui couvrait aussi le champ de la sociologie, en fait. Donc, ce qui est aujourd'hui le champ de l'écologie et de la sociologie, une seule discipline positiviste prétendait le couvrir. Évidemment, ça l'a fait tomber dans des simplifications déterministes à la Taine, qui font que Uxküll, bizarrement, a recusé le terme de milieu justement parce qu'il pensait que c'était déterministe et que lui, il avait cette toute autre perspective. Bref, moi, j'ai repris le terme mésologie, que je n'ai donc pas créé, bien évidemment, il date de 1848, mais dans le sens où Uxküll employait Umweltlehre et Watsuji employait Fudoron, ou Fudogaku. Voilà, donc c'est le sens, je l'ai déjà effleuré tout à l'heure, on pourrait dire c'est une écophénoménologie, et qui suppose une ontologie, puisque ça concerne la structure même de l'existence humaine. Et là, on en vient à des notions et des problèmes sur les concepts les plus fondamentaux, la terminologie la plus fondamentale de la philosophie et de l'ontologie, comme existence. Existence, dans ce sens-là, ça correspond à ce que le roi Gouran appelait extériorisation. C'est-à-dire que notre corps social, qui est évidemment en dehors des limites de mon corps animal, va exister, c'est-à-dire se tenir ec, c'est-à-dire dehors, hors de mon corps animal, mais font partie de mon existence au sens de ma structure existentielle. Vous voyez, là, ça devient vraiment de la philosophie. Ces considérations-là, je n'y suis arrivé, moi qui suis parti de la géographie, que 3-4 décennies plus tard. Mais ça n'a été possible que parce qu'il y avait eu l'expérience de la thèse sur Hokkaido, et tout ça. Ça s'est fait petit à petit. Ce qui fait que je continue toujours à me poser les questions, très, très concrètement, bien que, vu de la géographie, ça a l'air d'idées fumeuses et tout à fait abstraites. En réalité, c'est justement, c'est la concrétude même, c'est-à-dire le cum crescere, c'est le croître ensemble de l'humain et de son milieu. Les choses croissent avec nous. C'est pas seulement moi qui suis, comme dit Heidegger, Beidendingen, qui suis auprès des choses. Non. Les choses croissent avec moi. C'est-à-dire que les choses, d'ailleurs, Heidegger pose la question bien dure, qu'est-ce que c'est qu'une chose? Qu'est-ce que c'est qu'une chose? Eh bien, une chose n'est pas un objet. Ça n'est pas un objet au sens du dualisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un en-soi qui me serait extérieur. Parce que, trajectivement, je suis dans la chose, non pas dans l'objet. Enfin, l'objet, bien entendu, par la mesure, etc., je l'objective. Bien entendu, il y a des protocoles stricts qui sont les protocoles de la science moderne, certes, mais existentiellement, non seulement
dans la vie concrète de tous les jours, je suis non seulement avec les choses, mais je suis dans les choses même, dans l'être même des choses, comme les choses sont dans mon être même, et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Ça, c'est pour la vie courante. Mais la reine des sciences, la physique, au XXe siècle, en est arrivée à des conclusions analogues quand il est apparu au niveau de la microphysique, du quantique, et quand l'un des plus grands savants du XXe siècle, Werner Heisenberg, en est venu à écrire dans un petit livre qui est apparu en 65 en allemand, ou c'était en allemand à l'origine, et traduit en 55 en allemand et en 65 en français. Dans la traduction française, c'est sur la manière dont les sciences exactes de notre temps, en somme, je dis la substance, je ne me rappelle plus les termes exacts. Ça n'est plus ce que la modernité classique a considéré la nature comme un objet. Ça, c'est la manière cartésienne, l'extensio, comme le critique Heidegger. Mais c'est la relation même que nous avons avec cela qui devient l'objet de cette science, la physique en l'occurrence, mais plus généralement les sciences exactes, pas seulement les sciences humaines, les sciences exactes. Donc l'objet de cette science, ça c'est lui, il dit cette science, c'est-à-dire la science moderne exacte, et en particulier la physique. Ce qu'elle étudie, c'est notre relation avec la chose. Donc, ce qu'elle étudie, c'est en somme la trajection. Alors, je ne vais pas faire la leçon aux physiciens, parce que je lis les physiciens et je trouve chez eux matière à nourrir par les sciences exactes ce point de vue de la mésologie qui est, je dirais, fondamentalement quand même un point de vue ontologique. Ça revient de la philosophie. Mais, en fait, ça n'est ni seulement de l'ontologie, ni seulement de la physique, avec toutes les autres sciences, si on veut dire que ça va être les deux pôles de la pensée humaine, la physique et puis l'ontologie. Non, en fait, c'est un autre paradigme qui s'impose à nous aujourd'hui, petit à petit. Et mésologie, ce n'est pas une discipline nouvelle, parce que ça ne veut rien dire. Une écophénoménologie, ce n'est pas une discipline, non. C'est une autre perspective, c'est un autre paradigme qui s'impose à nous aujourd'hui et qu'il nous revient de construire petit à petit. Et en s'appuyant à la fois sur la philosophie et sur la physique, pour dire les sciences exactes. Bon, et ce point de vue, il a été incarné en particulier, mais sans qu'il le dise, il n'a pas eu les mots pour le dire, par un grand naturaliste japonais, Imanishi Kinji. Là, j'ai le livre vraiment sous la main, donc on peut le montrer. Hein. C'est un de ses derniers livres, Imanishi, la liberté. Alors ça, c'est le titre qu'a donné l'éditeur. Hein. Mais le livre s'intitule en japonais Shitaisei no Shinkaron, c'est-à-dire la subjectivité dans l'évolution. Et la subjectivité dans l'évolution, c'est la subjectivité tout à fait au sens de Uxküll, mais il se fait que, en fait, Imanishi ne connaissait pas les travaux d'Uxküll, ou s'il les connaissait, en tout cas, il ne le cite pas, du moins dans ce que j'ai lu de son œuvre, qui est pourtant, mais en tout cas dans ce dernier livre, c'est un de ses derniers livres, et vraiment le livre où il a mis toute sa foi, sa façon de voir l'évolution, et qui est de récuser le darwinisme au sens où le darwinisme reste dualiste et considère des objets. C'est une vision qui va, dans le néo-darwinisme, devenir une combinaison du hasard et de la nécessité. Là, je reprends le titre d'un livre célèbre de Jacques Monod, « Le hasard et les nécessités ». Ça, c'est tout à fait la façon moderne, classique, dualiste et cartésienne, de considérer la nature. La nécessité, c'est ce dont on est arrivé à reconstruire les causes mécaniques, mécaniques donc nécessaires, telle cause, tel effet.
et puis ce qu'on appelle hasard, c'est tout le reste, ce dont on n'est pas arrivé à décortiquer les causes mécaniques. Donc, dans le problème de l'évolution, la nécessité, ça va être la sélection naturelle. En somme, c'est le fort va manger le faible. Ou celui qui se multiplie plus vite va éliminer celui qui se multiplie moins vite. Bref, c'est la nécessité qu'on combine aussi avec les lois de la statistique. Les lois de la statistique. Bon, ça, c'est la sélection naturelle. Et le reste, le hasard, eh ben, c'est la mutation. La mutation, on ne sait pas pourquoi. Ça mute. Et les deux combinés, ça va donner le néo-darwinisme. Je schématise, bien entendu. Mais alors, lui, Imanishi, il a contesté radicalement cela. S'il y a quelque chose... En somme, oui, le néo-darwinisme est éminemment moderne en ce qu'il concerne... Il considère des unités individuelles. C'est un individualisme méthodologique. C'est comme une bonne partie de la science d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il considère des individus et des sommes d'individus, des organismes individuels, à diverses échelles. Ça peut être, par exemple, à l'échelle du gène. Donc là, ça va y avoir une mutation au niveau du gène. Et là, on va voir ensuite des combinaisons de gènes, mais ça reste de l'individualisme méthodologique. À cela, Imanishi opposait, mais vraiment radicalement, l'idée que, il n'est jamais arrivé à la prouver, l'idée que c'est l'espèce à son niveau d'espèce qui va plus ou moins choisir ce qu'il appelle course, ça c'est un mot qui vient directement de l'anglais course, le cours de son évolution. Ce qui fait que, à un moment, l'espèce va, en somme, choisir, parce qu'elle est dotée de subjectivité, va choisir d'aller par-ci ou par-là, telle ou telle évolution. Il n'est jamais arrivé à le prouver. Et finalement, il a recouru dans la fin de sa vie, dans ce livre entre autres, en faisant un parallèle avec le bébé qui se dresse, enfin qui commence à marcher, donc il se met debout, il commence à marcher, parce qu'il le devait. Disons-le en français. Il s'est mis debout parce qu'il le devait. Alors, il le devait, pourquoi le devait-il, etc. Figurez-vous qu'il n'y a pas de gène de la bipédie. Il n'y a pas de gène de la bipédie. Donc là, vous ne pouvez pas dire, c'est génétique, hop, l'humain se met debout. Non, l'humain se met debout dans un milieu humain, c'est-à-dire dans sa relation aux autres, ce qui fait que le bébé ne peut effectivement que se mettre debout parce que les autres sont debout. Enfin, les parents sont debout, donc moi, je deviens grand, je me mets debout. Et il y a des gens qui ont étudié ça de très près en filmant. Quand le bébé se met debout, qu'est-ce qu'il fait ? Dans le détail, là, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il regarde, et souvent, il regarde papa, maman, et il fait comme si je fais comme vous. Enfin, bref. On n'a pas encore élucidé le problème, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que le problème reste. Il n'est pas du tout résolu par le néo-darwinisme. Et ça c'est pas Imanishi qui le disait, mais c'est François Jacob, pour ne nommer que l'un d'entre eux, qui ont mis en doute dans la logique du vivant. Et puis après François Jacob, un philosophe des sciences, Hervé Zwirn. Jacob a commencé à montrer que mathématiquement, vu le nombre de combinaisons possibles de protéines dans le corps d'un mammifère, et donc d'un être humain, il faudrait bien plus que l'âge du système solaire
pour que l'évolution ait pu se produire, telle qu'on peut la reconstituer. Tsvir est allé encore plus loin. Dans un article que j'ai lu, c'était en 2003, enfin vers le début des années 2000, il écrit, c'est quasiment une plaisanterie, mais il a fait le calcul. Il a fait le calcul, à savoir que vu le nombre de combinaisons protéiques possibles, c'est 10 puissance 130, grosso modo. 10 puissance 130. Or, l'univers connu, il contient, grosso modo, 10 puissance 80 atomes. Il calcule. Alors, ça a l'air d'une, ça, encore une fois, ça a l'air d'une plaisanterie, mais c'est très sérieux et très mathématique. Si chaque atome de l'univers connu était un super ordinateur capable de faire, alors je ne sais plus combien, un million de combinaisons ou plus de combinaisons par seconde, il faudrait, alors il aboutit, là ça devient surréaliste, il faudrait 1021 fois l'âge de l'univers depuis le Big Bang pour aboutir aux combinaisons, pour épuiser le nombre de combinaisons possibles. C'est-à-dire que si l'évolution n'avait été que le fruit du hasard combiné à la nécessité du mécanique, il faudrait un temps immense, 1000 fois plus que l'âge de l'univers. Donc il y a autre chose aussi. Il y a quelque chose que nous ne savons pas. Hein? Tsvir n'y va pas dire oui, c'est à cause de ça. Non, nous ne savons pas. Et en tout cas, nous savons que mathématiquement, ça ne peut pas être que hasard et nécessité. Ça ne peut pas être que ça. Alors qu'est quoi? Eh bien, l'hypothèse que j'ai à partir de la lecture d'Imanishi, qui ne suffit pas, parce que ça ne suffit pas de dire course, à partir de cette idée c'est l'anglais de of course. Of course, le bébé s'est mis debout. Ça va de soi. Oui, qu'est-ce que c'est que ce soi? Eh bien, ce soi, c'est la subjectivité de la vie. Les êtres vivants sont doués de subjectivité à tous les niveaux. Ça, c'est une thèse de Imanishi, qui va du plus petit, c'est-à-dire la cellule, jusqu'à toute la communauté biotique, en passant par les espèces, dans leur milieu. Et il emploie c'est très curieux parce qu'il emploie une formule qui revient tout à fait à la médiance et à la trajection, mais il n'emploie pas ces concepts. Pourtant, il aurait pu lire Watsuzi, au moins, même s'il n'avait pas lu Uxkull. Mais bon, il ne cite pas. Enfin, peut-être qu'il le connaissait, mais en tout cas, il ne cite pas. La subjectivité du vivant fait que, et là, je vais vous livrer ma philosophie. Ma philosophie, c'est un poème dont je ne suis pas l'auteur. C'est le fameux poème de Antonio Machado qui dit que le chemin se fait en marchant. Toi qui marches, il n'y a pas de chemin. Caminante no hay camino. Le chemin se fait en marchant. Al andar se hace el camino. Le chemin se fait en marchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par contingence, et là le concept central est vraiment la contingence, qui est le propre des milieux. Pourquoi y a-t-il contingence? Parce que intervient la subjectivité. Il y a certainement de l'objet, mais il y a le sens, et le sens dans les trois sens du terme, dans cette relation médiale entre l'être concerné et son milieu, construit à partir du donné environnemental, disons à partir de la terre. La contingence, c'est que, du fait que cet être va créer son milieu à partir de cela, et comme le milieu est concret, que ce n'est pas simplement une vue subjective, mais que c'est une transformation non seulement mentale, mais charnelle et matérielle de l'environnement, ça va conditionner, et je répète, conditionner et non pas causer, mais conditionner la suite des choses.
Et donc la suite des choses, ça se fait, vu que est en jeu l'interprétant. Là, c'est un terme de Peirce. Mais bon, l'être concerné interprète, et l'être interprète à tous les niveaux, y compris celui de l'espèce, y compris celui de la société, parce que tout se fait par relation entre tous les constituants, ce qui fait que, de manière contingente et non pas hasardeuse ou hasardique, ça va aller dans un sens plutôt que dans un autre. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que c'est que la contingence ? Pour le dire simplement, le hasard, c'est n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. C'est ça, le hasard. La contingence, c'est ça aurait pu être autre et ça pourrait être autre que cela n'est, mais cela est tel que c'est en fonction d'une certaine histoire, et d'un certain milieu. Une certaine histoire, ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est un chemin qui s'est déjà tracé. Donc, quand le chemin va dans un certain sens, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Dans les sciences de la nature, on parle d'effet cliqué. C'est-à-dire, le cliqué, ça fait que vous ne pouvez pas retourner complètement en arrière. Hein, vous pouvez obliquer à gauche, obliquer à droite ou aller tout droit. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire la culbute et retourner en arrière. Ce n'est pas possible. Parce qu'entre-temps, il y a évolution, justement. Et nous autres, dont les ancêtres sont des poissons, on n'est plus des poissons. Voilà, c'est ça l'effet cliqué, pour le dire de manière schématique. Donc, vu le chemin parcouru, et là on retrouve l'idée de course, parce que le cours des choses fait que, eh bien, le nombre de choix possibles se restreint. Mais en même temps, il y a création. Donc, vous voyez, ce n'est pas de la mécanique. C'est de la vie. Et la contingence va avec la vie, et la vie va avec la contingence. C'est comme ça que je le vois, comme j'ai essayé de l'argumenter dans un livre qui s'appelait c'est mon dernier gros livre. J'ose pas dire grand livre, mais disons livre qui compte. Parce qu'il y a les petits livres et puis il y a les livres qui comptent. Il s'appelle Poétique de la Terre. Mais c'est poétique au sens de poétique de la Terre, c'est-à-dire la créativité de la Terre. Voilà. On va peut-être en dire un mot dans la prochaine séquence.